cette nouvelle vidéo. Donc là il est actuellement 16h30, qui dit 16h30 dit petit goûter. Donc là pour le goûter j'avais pas de fruits, du coup je prends ce qu'il y a dans le placard. Donc j'ai pris un tout petit peu de jus d'orange avec une brioche avec des petits morceaux de chocolat. Et du coup voilà. Pour mon shampoing c'est le petit Marseillais au miel que j'aime beaucoup. Ensuite pour le masque, j'ai pris le masque de chez Garnier à la papaye. J'adore celui-ci avec la banane là, c'est vraiment mes deux chouchous, j'aime trop. Et ensuite je me suis passée du spray de la marque Moisture et franchement il sent trop trop bon la coco, j'adore. Du coup là je me sèche tout le corps ainsi que les cheveux et là je vais m'habiller et passer aux petits soins du visage. Donc je fais pas grand chose en ce moment pour le visage et je vais vous montrer tout ça. Du coup là à la sortie de ma douche je me brosse les cheveux avec ma brosse de chez Tangle Teaser. Elle est trop bien cette brosse parce que tu peux la personnaliser avec, avec des petits stickers et du coup je la trouve trop trop bien. Et ensuite je me mets du spray de chez She Moisture. Du coup là je viens mettre mon eau micellaire de chez Uriage. Alors d'habitude je ne prends pas cette eau micellaire mais la pharmacie était fermée et quand j'avais été dans d'autres pharmacies il n'y avait plus celle de chez Aven que je prends d'habitude. Mais ce n'est pas grave, j'ai opté pour celle-ci et elle me fait très très bien l'affaire. Donc du coup voilà, sachez que je ne l'ai pas montré en vidéo mais il faut en mettre dans le cou parce que le cou est aussi important que votre visage. Là je prends mon roll-on de chez Garancia, franchement il est super bien si vous cherchez un contour de yeux qui fait paupières, enfin qui fait contour d'œil, qui fait à peu près tout, celui-là il est top, il est trop trop bien. Et franchement je l'utilise matin et soir et franchement tu vois vraiment vraiment des différences, il est trop bien. Donc là j'utilise le baume à lèvres Mixa pour hydrater mes lèvres et franchement il est super super bien, j'adore. Ensuite, avant de faire mes soins du visage, masque, gommage, etc., là je me pose un tout petit peu avec mon livre du moment que j'ai acheté, je crois, il y a 2 semaines de ça. Il est vraiment trop trop bien, c'est vraiment un livre de filles, je vais vous mettre en barre d'infos si ça vous intéresse. Pour les soins du visage, je commence par le gommage et je prends le gommage de chez L'Oréal, donc c'est un gommage au café. Il me semble qu'il est nouveau car je n'ai pas vu de gommage de chez L'Oréal au café comme ça. Donc là c'était la deuxième fois que je l'utilisais et franchement il est pas mal, mais vraiment pas mal. Si vous cherchez un gommage dans la grande surface, etc., prenez celui-ci, il est top de chez top. J'adore, franchement il est trop 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 bien. Du coup là je viens me sécher le visage parce que là je vais prendre un masque, un tout nouveau masque il me semble. Il me semble qu'en fait ils ont sorti une toute nouvelle gamme de masques ou alors d'exfoliants. Et du coup là je vais l'appliquer sur le visage. Celui-ci par contre c'est la première fois que je l'utilise donc on verra ce que ça donne. Mais franchement là il est facile à appliquer donc normalement j'aurais dû prendre mon pinceau parce que j'ai un pinceau exprès pour appliquer mes masques. Mais là bon pour cette vidéo je l'ai oublié mais bon c'est pas grave tant pis. Ce masque on doit le laisser poser 10 à 15 minutes environ, moi je vais le laisser poser 15 minutes et du coup voilà. Du coup ça y est les 15 minutes sont terminées, du coup là je prends mon petit gant et puis voilà je vais m'enlever le masque et m'essuyer le visage. Du coup là je m'essuie le visage normalement etc. Et par la suite je vais prendre mon petit parfum, donc mon parfum de chez Escada. Donc là je crois que c'est le Flora del Sol, un truc comme ça. Donc je mets du parfum le soir, oui je sais, mais c'est pour sentir bon. Il est temps d'aller dormir, je vous dis à demain. On se retrouve le lendemain matin et j'ai pas précisé hier mais oui je me suis brossé les dents et oui j'ai mangé. J'ai pas filmé ces moments là parce que tout simplement je trouvais ça un peu inutile dans la vidéo mais du coup voilà, là je me lave le visage à l'eau froide mais vraiment très très froide. Je trouve que ça me réveille bien le visage et ensuite je l'ai pas montré mais je mets toujours mon eau micellaire de chez Uriage.
Ensuite, je m'habille et là, je porte un haut de chez Jennifer. Et concernant le jeans, je porte le jean de chez Era London. Et du coup, voilà. Là, je vais faire tout simplement un chignon. Donc, je ne suis pas une pro des chignons, mais bon, je le fais un peu à ma sauce, on va dire. Et du coup, voilà, j'attrape mes cheveux. Je fais une queue de cheval assez haute. Et ensuite, je vais venir chercher ma barrette et je vais tout simplement attacher mes cheveux. Ensuite, là, je vais prendre mes Vans. Donc là, c'est des Vans à plateforme, tout simplement. Et du coup, voilà, là, je vous montre un peu ma tenue de près. Vérifiez bien votre sac de cours prêt. Moi, le mien est prêt et je vous souhaite une bonne rentrée. Bisous! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux. Et du coup, je te fais plein de gros bisous et on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!